Bonjour, mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir maintenant dans le cas de diagnostic financier les destinataires du diagnostic financier d'entreprise, ça veut dire les utilisateurs. Les utilisateurs, les objectifs. On va l'expliquer dans ce vidéo. Bismillah, l'inouen des destinataires. Les destinataires du diagnostic financier. Et bien, je porte à votre connaissance que le diagnostic financier d'une entreprise est mené soit en interne, soit par des personnes extérieures. Pour le propre compte du HEDEF, une chérica, pour le compte de l'entreprise ou la partenaire entreprise ou un tiers, le bancaire ou le siège. Voilà. Il donne l'utilité d'un diagnostic financier diffère selon les personnes susceptibles d'utiliser le diagnostic. La subsection, les objectifs de la couverture, un autre objectif. Et d'un résumé ou d'un tableau. Les principaux. Utilisateur de diagnostic ou l'analyse financière. Avec leur objectif respectif sont présentés dans le tableau suivant. Et là, je trace un tableau avec deux colonnes. L'un, c'est utilisateur.
L'autre, on va faire les préoccupations du team médical. Je pense que ça veut dire ça. Premier utilisateur, c'est les dirigeants qui attirent le diagnostic financier. Les dirigeants, ils viennent juger les préoccupations des sujets des différentes politiques. Les différentes politiques de l'entreprise. Le deuxième, c'est le même deal. Les dirigeants orientés et décisions. Orienter les décisions de gestion. Le team rôle assurer, bien sûr, la rentabilité de l'entreprise. Voilà. Un autre utilisateur important de diagnostic financier, ce sont les associés. Les associés accroître, bien sûr, la rentabilité des capitaux . Deuxième préoccupation, accroître la valeur de l'entreprise. Tu même réduire le risque de la faillite, etc. Réduire. Le risque. Un autre utilisateur de diagnostic financier, c'est les concurrents. Connaître les points faibles. Points faibles. Et les points forts. Apprécier la compétitivité. Voilà. Un autre utilisateur, bien sûr, du diagnostic financier, ce sont les investisseurs. Son préoccupation, c'est accroître, bien sûr, l'intelligence, accroître la valeur de l'entreprise. Deuxième objectif, accroître. La rentabilité et un avant-dernier de principaux utilisateurs sont les prêteurs. Les prêteurs,
mal les établissements financiers, les fournisseurs, etc. Je ne ressens pas où elle est réduit le risque, j'ai de me poser. Deuxième préoccupation, et je vais chercher à apprécier la solvabilité dernière sont les salariés. C'est assuré la croissance de l'entreprise. Deuxième objectif, c'est apprécier apprécier quoi? J'ai tout plus et apprécier le pourcentage de la valeur ajoutée ou de la richesse créée. La richesse. La richesse créée par l'entreprise, l'entreprise est juste ici de l'évolution. Évolution des charges de personnel. Voilà. Les principaux utilisateurs du diagnostic financier et leurs préoccupations. Merci de votre attention.